Kamala Harris est devenue la première femme à exercer la fonction de président de toute l'histoire des États-Unis pendant quelques jours, en attendant que Joe Biden termine sa coloscopie. Donc pour qu'une femme dirige les États-Unis, faut que le mec ait un truc dans le cul. Ce japonais sortait avec 35 femmes en même temps pour avoir plein de cadeaux d'anniversaire. Toutes pensaient être des relations sérieuses de ce japonais de 39 ans. Ce dernier leur avait donné à chacune une fausse date d'anniversaire pour avoir au moins un cadeau tous les mois. Une femme de 47 ans pensait qu'il était né le 22 février, une autre de 40 ans avait noté le mois de juillet. Mais en fait, il était né le 13 novembre. Certaines femmes s'en sont rendues compte, il a été arrêté par la police et le montant de l'arnaque s'élève à 100 000 yens, soit 765 euros. Et beaucoup de rapports sexuels. 17 novembre 2018, c'est le troisième anniversaire des Gilets jaunes. Dans le Morbihan, les Gilets jaunes ont décidé de fêter ça avec une opération escargot. Vous savez, vous bloquez l'autoroute avec plein de voitures. Sauf que ils étaient que deux. C'est que deux Gilets jaunes avec deux voitures sur l'autoroute. Opération escargot! Bon bah, ils ont pas réussi à bloquer grand monde, puis la police est arrivée. Vu qu'ils étaient que deux, bah, ils ont arrêté les deux. Enfin, je pense que ça se passe en Russie. Deux VTC se sont engueulés, ils sont sortis de leur véhicule et se sont fracassés la gueule devant tout le monde en costume. Ça se passe à Houston, au Texas. Un plombier travaille dans une église. Il travaille dans les toilettes et il doit enlever des carreaux. Et au moment où il retire des carreaux, tombe 600 000 dollars du mur. Le plombier fait « Waouh, je suis riche !» Bon bah quand même il en parle au curé, la police intervient. Ils se sont rendus compte que l'argent avait été volé 7 ans plus tôt dans cette église. Par contre, personne ne sait pourquoi l'argent a été volé, caché dans le mur des toilettes, et personne n'est venu le chercher. 7 ans dans les chiottes. Le Japon est hyper strict avec la possession de drogue, et même les étrangers, quand ils vont au Japon, bah ils en font les frais. Par exemple, Paul McCartney, oui, des Beatles, en 1980, s'est fait arrêter avec du shit sur lui, il est resté une semaine en prison. Pareil pour Maradona. Maradona, pas Madonna. Des apiculteurs français, tu sais, les apiculteurs, les gens habillés comme des extraterrestres, ont commencé à flipper car leurs abeilles ont commencé à créer du miel bleu. Oui, oui, bleu. Enquête faite, les abeilles allaient butiner dans l'usine M&M's juste à côté et aimaient beaucoup le colorant bleu. Question, vu que le colorant était bleu et que le miel est jaune, on aurait dû avoir du miel vert. Et pourquoi il était bleu? Comment peut-on imaginer